Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la quatrième et dernière partie de l'ouverture du display épée bouclier voltage éclatant. Et ouais, vous voyez, la boîte est bientôt vide. Il va plus rester que le carton. Les 9 boosters, ils n'ont pas bougé depuis la fin de la dernière partie. J'espère choper. On n'a toujours pas eu, pour l'instant, par rapport au quota, la secrète du display. Donc, on espère le Pikachu VMAX Rainbow, bien évidemment. Si je ne l'ai pas chopé, je me suis recommandé 20 boosters à l'unité. On fera l'ouverture, on tentera d'avoir cette carte. C'est celle que la plupart des collectionneurs recherchent, donc je la veux. Donc je tente encore le coup. J'espère que ça vous plaît toujours, que vous serez bien présents pour regarder cette display. Pour ceux qui n'ont pas vu les 3 parties précédentes, allez les voir. Franchement, c'est la première display, en tout cas pour ma part, que je vois comme ça. Il y a un bug dans la display, c'est sûr et certain. J'ai eu 13 cartes d'une même rareté. Allez voir les parties précédentes, je vous le conseille. Allez, on traîne pas. On a 9 boosters à ouvrir. Et on va pouvoir, à la fin, voir le quota de la display. En enlevant les cartes bug, bien évidemment, parce que ceux-là, ça fait un peu trop, c'est sûr. Alors, un peu de place sur le côté, voilà. Skelenox, Fampi, Terral, Aspico, Welmer, Énergie, Combat, Casque Brut, Sinistré, Escroco, Celebi en Amazing Rare et derrière un Dardarian en Rare. Je ne dis plus rien sur ces cartes. Ceux qui ont vu les parties d'avant comprennent, les autres. Allez les voir, vous comprendrez très très vite. Ah, j'ai oublié de vous montrer le code, désolé. Alors, le 1, 2, 3, 4, 1, 2. On continue. Il y a une secrète à trouver. Statitic, Thiboudet, Picasso, Grenipio, Mascaïman, Énergie électrique, Elidel, Megavolt, Casque Brut, Rayquaza en Amazing Rare, la plus belle Amazing, et derrière, on a Astronel V. Ouais. Yes. Encore une double ultra dans le booster. Mais bon, c'est normal avec cette display. Donc, Rayquaza, magnifique. C'est la plus belle des Amazing. Et Astronel V, c'est une V que je n'avais pas. Ça, c'est très très bien. Pour l'instant, j'ai fait un peu... Avant de commencer la vidéo, j'ai regardé ce qu'on avait eu. C'est la quatrième V de la display. C'est un quota qui est tout à fait normal. Niveau des V, c'est souvent 4. Par rapport aux autres displays que j'ai ouverts hors caméra, j'avais ça aussi. Hop, on continue. Doudou V, Mios de Galar, Axoloto, Salamèche, Nirondelle, Énergie Plante, Métang, Alistair, Casque Brut, Reiku en Amazing, et derrière, un Ixon de Galar en Gold. Ça, c'est bien, mais un peu dommage. Cette Gold, déjà les Gold, on en envoie partout à cause des bugs des Elite Trainer Box ou coffret Dresseur d'Elite en français. On en voit partout, et la Ixon de Galar, c'est la troisième fois que je l'ai, et en plus, du coup, vu que c'est une secrète, on n'aura pas de Rainbow dans cette ouverture. C'est un peu dommage. Et Reiku en Amazing Rare, bon, ça, c'est du classique. 3 Amazing en 3 boosters. Vous voyez pas souvent ça, je pense. Moi, c'est mon habitude ces derniers jours. Allez, on continue. Anchouette, Mélophée, Pomme de Pique, Moustillon, Mascaïman, Énergie Obscure, Coconfort, Métang, Alistair, un Skelenox en commune reverse, et derrière, un Branette en rare. Un booster normal, on en a quand même de temps en temps. Allez, cinquième booster. J'espère encore avoir une ou deux ultra. Ce serait pas mal et ce serait une très bonne display en brochet. Doudou V, Miaouz de Galar, Axoloto,
Salamèche, Énergie Eau, Waterpik, Reptincelle, Énergie Lavage, Metalos en rare reverse, et derrière, Berserk 4 de Galar en rare. Là, rien à signaler. Donc, on enchaîne. Un booster Celebi. Hop. Le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on a Salamèche, Mediena, Thiboudet, Pomme de Pique, Dynavolt, Énergie Acier, Ténéfix, Fromage Meumeux, Coconfort, Volcaropode en peu comme une reverse. Et derrière, ah, une VMAX, très très bien. Et c'est Astronel VMAX. Très belle carte. Donc Astronel VMAX ou Astronel Gigamax. Magnifique, magnifique. On met ici. Et il nous reste 3 boosters. C'est une très bonne display, franchement. En enlevant le bug des The Amazing, on a une très bonne pioche, je pense. De toute façon, j'ai gardé toutes les ultras de côté et on saura revoir le tout à la fin. Mascaïman, Hirondelle, Aspico, Énergie Psy, Ténéfix, Megavolt, Fromage Meumeux, un Zamazenta en Amazing et derrière Tarak holographique. Ah, très très bien comme holo celle-ci, elle cote pas mal. Et Zamazenta Amazing, je te connais, je t'ai eu 5 fois. Avant-dernier booster de la display. Franchement, ça m'a fait très plaisir d'ouvrir cette display. En plus, avec les surprises qu'on a eues à l'intérieur, là, j'en suis très content. J'espère que ça vous aura plu aussi et que vous appréciez de voir des choses un peu différentes. Des displays classiques, en tout cas. Rocabo, Mediena, Picasso, Ningal, Embrochet, Énergie Feu, Escroco, Donna, Pilicléron, un Rayquaza en Amazing et un Voltali en rare. Eh ben, Rayquaza, je ne t'avais pas. Je t'aurais vu quelques fois. Et j'en suis très 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 content. Je sais pas si avec tout ça, ça vaut le coup. Mais moi, je ne l'ai jamais fait en tout cas. Je n'ai jamais envoyé de carte chez PCA ou autre. Est-ce que avec tout ce que j'ai en Amazing, est-ce que ça pourrait être intéressant? Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà fait ça, des envois de cartes. Limagma, Zébibron, Eoko, Miaus de Galar, un Crémy, Énergie Combat, Stade de Winscore, Chevroom, Megavolt, les termes de Ludester en peu comme une reverse, et dernière carte, c'est un Charmilly en rare. Et ben voilà, je mets toute cette pile de côté. Le carton de la display est bien vide. On a tout ouvert. Je reprends les cartes qu'on a ici pour le récap de la quatrième partie. Et puis on fera le récap total. Alors, dans cette partie, Tarakolo, Reiku Amazing, Celebi, Rayquaza, Rayquaza, Zamazenta en Amazing, ça c'est normal. Puis Astronel V et son VMAX. Dans cette partie, c'était le Pokémon vedette. Et puis la secrète de la display. En tout cas, niveau secrète, ce que je peux vous dire, c'est que à chaque display que j'ai ouvert, j'en ai ouvert 4 de display, j'ai eu une secrète à chaque fois. Ici, c'est une gold. Ce qui est dommage, c'est que je l'avais déjà eu en double. J'aurais préféré avoir une rainbow sur ce coup. Si. Alors, je replace toutes les cartes ici de la display. Ça fait beaucoup avec toutes ces amazing. Alors, hop, hop, hop. Astronel, il va là. La VMAX ici. Hop. Et bien voilà. Ça, je mets de côté pour l'instant. Alors, en enlevant ce paquet-ci, qui sont toutes les Amazing,
Voici ce qu'on a eu d'assez intéressant. Donc pour faire un petit quota de ce display, Dracaufeu en rare, c'est toujours bien. Crocorib, je l'ai laissé parce que en 4 displays, je ne l'ai eu qu'une seule fois. J'ai ouvert les kits d'avant-première, 12 boosters, 2 tripacks, ETB, 3 displays hors caméra et celle-ci, et je ne l'ai eu qu'une fois. Donc, plus rare que certaines cartes. Tarak en Holo Reverse, Electro Holo, Zygarde Holo, Lugia Holo, Noctuinoir Holo, Regirock Holo et Tarak Holo. Donc, niveau holographique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 holo plus une holo reverse. Donc ça, pas mal du tout. En Pokémon V, Astronel, Exagide, Drascor et Darumacho de Galar en V, 4V. Ça, c'est souvent le quota de V que j'ai eu dans toutes mes displays. VMAX, j'en ai eu 2, Astronel et Montracite. Ça aussi, c'est un quota assez classique. Puis une full art, c'est Darumacho de Galar V et Ixon de Galar en secrète. Alors, donc 6 holo, 4 V, 2 V max, une full art et une secrète. C'est un quota assez classique. Il se peut que souvent, enfin pour d'autres displays, vous n'ayez qu'une V max et deux full art. C'est entre les V max et les full art. V max qui peuvent être considérés comme des full art. Il y a un mélange entre ça. Ici, 2 VMAX, une full art, mais ça peut changer. Et donc ici, en une display, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. 18 amazing. Donc, un booster sur deux, il y avait une amazing dans cette display. Ça, c'est un truc de malade. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans une des parties, ben, s'il y a beaucoup de displays comme ceci, parce que je ne dois pas être le seul à en avoir une, elles vont perdre énormément de valeur et c'est un peu dommage. Donc voilà, je vous replace tout ici, comme ça vous voyez un peu la pioche de la display. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas encore choper le Pikachu Rainbow et c'est la carte que je veux, donc j'ai recommandé 20 boosters, donc on va encore s'en ouvrir, puis on fera un récap de la collection, je vous montrerai mon classeur et je vous sortirai les top 3 de chaque rareté de carte, donc commune, peu commune, rare, holo, ultra comme V, VMAX, full art et secrète, amazing, etc. de cette extension, pour ma part en tout cas, on pourra après en discuter en commentaire, selon ce que les gens préfèrent ou ne préfèrent pas, ça peut aller dans ce sens aussi. Donc, soyez au rendez-vous, portez-vous bien, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours, des bisous à tous, et surtout, amusez-vous.